à 7 km de Nterembas, Safane. Ce village de la commune de Simbandi-Balante, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau, est peuplé d'environ 1250 âmes. Safane abrite un poste de santé avec une maternité qui polarise plus d'une dizaine de villages. Mais le seul hic qui empêche le bon fonctionnement de la dite structure de santé demeure l'absence d'électricité. Nous avons un problème, c'est le courant. Le courant est en train. Nous avons bénéficié d'une maternité, mais jusqu'à présent, elle est sans électricité. Et cela nous cause beaucoup de préjudices, surtout la nuit. Nous sollicitons souvent l'imam du village qui nous passe des bougies pour éclairer et prendre en charge les femmes en état de grossesse. C'est vraiment une situation difficile et risquée. Dañuy obligé dem yé imam bi mu may ñu sondel pour ñu mëna def accouchement dañoo sonu trop poste bi li ñu ko réaliser dafa bari. Notre maternité polarise des villages jusqu'en Guinée-Bissau. Beaucoup de femmes de ce pays frère viennent à Safane pour suivre leur consultation prénatale jusqu'au terme de leur grossesse, alors que notre maternité est vraiment dépourvue de tout. Ñu ngi manké nañ bagage sa amu fi mëna la né bagage amu ko. C'est le projet Ismeya qui est venu à notre secours en nous dotant de ce matériel à énergie solaire qui nous permet d'avoir de l'électricité. Mais cela ne suffit pas. À en croire à notre interlocutrice, cette situation favorise les accouchements à domicile. Ce manque d'électricité fait qu'aujourd'hui nous enregistrons un taux élevé d'accouchement à domicile. Et cela entraîne beaucoup de risques pour les nouvelles accouchées. C'est pourquoi elle lance un appel solennel aux nouvelles autorités de notre pays pour solutionner ce problème d'électricité qui perdure. Les nouveaux dirigeants de notre pays doivent vraiment nous régler ce problème d'électricité le plus vite possible pour que nous nous sentons enfin sénégalais. Espérons que pour cette fois-ci, ce cri de cœur des habitants de Safane et ses villages environnants sera bien entendu par les autorités interpellées pour que la dite localité du Balantakunda, qui a longtemps souffert du conflit armé en Casamance, puisse booster son développement socio-économique.